Le championnat du monde de 4,70 touche à sa fin après 2 semaines de compétition acharnée. Il restait seulement 2 manches ce vendredi pour départager les équipages. Un titre de champion du monde qu'effleurent pour l'instant Nicolas Lebert et Pierre Lebouchet, membres de l'équipe de France masculine. Malgré une disqualification qui rajoute un peu de pression, ils ont réussi à se hisser en tête du classement général. Une première place qui nécessite de la concentration pour ne pas tout perdre dans les ultimes manches. On dit que c'est souvent plus facile d'être un peu derrière parce qu'on a une position où on essaie de rattraper, on a le couteau entre les dents et la position de leader souvent amène à être sur la défensive et pas jouer le même jeu. Donc ça peut être un piège, hein. Donc on va voir comment on va gérer ça, c'est la première fois que ça nous arrive. Mais gagner à La Rochelle pourrait avoir une saveur un peu particulière pour le duo français. Même si c'est leur première compétition ensemble, ils ont trouvé rapidement leur marque. Pierre Lebouchet fait lui partie du pôle d'entraînement Rochelet et connaissait déjà le plan d'eau. J'ai commencé 4,70, pas ici à la Baule, mais très vite je suis arrivé à La Rochelle. Un peu d'appréhension aussi parce que j'avais dit à Nico que c'était un plan d'eau qui était difficile et que c'est vraiment pas un plan d'eau facile. Donc j'avais un peu d'appréhension quand même sur ce plan d'eau, mais bon, on s'en sort plutôt bien. Donc Nico m'avait dit que lui, il aimait bien ce plan d'eau-là. Donc du coup, ça a réconforté et on s'en sort plutôt super bien. Le succès ou la défaite ne dépend pas que des sportifs eux-mêmes. Les coureurs sont épaulés dans leur préparation ou dans la gestion des éléments en course par leurs entraîneurs. Il y a 3 choses. Déjà, il faut aller vite. Hein, donc dans la préparation, on les aide à valider leur réglage technique. Hein, c'est comme une Formule 1, il faut affiner en fonction des conditions du jour. C'est jamais tout à fait pareil. L'autre côté, c'est tout ce qui est stratégique, c'est-à-dire que avec le vent, il y a des bords à tirer qui ne sont pas toujours les mêmes. Donc il faut les aider là-dessus. Et puis, on est là aussi pour donner la dynamique, quoi, les pousser à surpasser, à tirer vraiment le meilleur d'eux-mêmes. Dès samedi, place à la course à la médaille, un grand final qui réunit les 8 meilleurs équipages. Prochain rendez-vous avec la voile lors de la semaine olympique qui se tiendra en octobre à La Rochelle.